Pyrénées une bonne destination pour les ministres en villégiature, comme l'a récemment suggéré Martin Malvy. Une question qui tombe à pic pour débuter la visite du Salon du Tourisme où la région est largement représentée. Absolument, je pense qu'ils découvriraient de très très belles choses. Voilà, et à des prix corrects. Joker. Et on a une région où on a tout, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Ils peuvent venir pratiquer la randonnée puisqu'on a une grande étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une journée en pâte au gaz, pourquoi pas, mais la région, que l'on soit ministre ou simple anonyme, se visite aussi sur l'eau. Des croisières d'une journée sont possibles au départ de Cahors. On peut voir par exemple le défilé des Anglais de Bouziès qui est taillé dans la falaise. Vous avez le passage d'écluses manuelles réalisées par l'équipage. Mais ne soyons pas chauvins, le Languedoc-Roussillon a également de beaux atouts, comme la fête du Cap d'Agde au moment de la fête des mers. Ce ne sera costumé. Mais c'est permis, hein. Mais peut-être en habit d'Adam et Ève. En habit d'Adam et Ève, c'est pas mal non plus.